Il chante, eh bien il nous le présente, deux grandes chansons dans la tradition italienne. Nous accueillons notre invité d'honneur de ce dimanche, Frédéric François. Alors, des chansons napolitaines, il va sans dire. Oui. Et la plus connue d'entre toutes, incontestablement, c'est Au Sole Mio. Je crois que c'est celle qui a fait le tour du monde. Oui, oui. Tout le monde l'a chantée. Les plus grands ténors napolitains l'ont chantée. Caruso en avait fait un tube. Oui, je crois que... Et Pavarotti l'a... Et Pavarotti aussi. La promène à travers le monde actuellement. Bon, alors, on écoute Au Sole Mio parce que tout le monde la connaît. Mais pas par Frédéric François. Che bella cosa in a giornate sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa e una giornata sole, ma nato sole più bello in è, o sole mio sta in fronte a te. Quando fa notte, io sole se ne scende, mi viene quasi una malinconia. Sotto la finestra tu arresta ria, quando fa notte io sole se ne scende, ma nato sole più bello in è, o sole mio sta in fronte a te. Stan fronte a te, stan fronte a te. C'est formidable, hein?
Non, pas l'invasion. Voilà. Voilà. Madame, soyez gentille. Bonjour, mon chéri. C'est formidable, hein? Alors, tu me donnes les fleurs. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors, après Au Sole Mio, quelle est la chanson italienne la plus connue? Moi, je dirais que c'est... Oui, c'est une chanson qui a été écrite en 1880. Oui. Hein, pour moi, j'étais pas né, alors. Pour l'inauguration, en fait, du téléphérique qui allait sur le volcan, funiculaire. Et c'est Funiculi, Funicula. Funiculi, Funicula. Tu chantes ça? Oui, je chante ça. Ah, dis donc, tu sais qu'il va être jaloux, Pavarotti, hein? Je la chante à ma façon. Hein. Eh ben, lui, à la sienne. Alors, on écoute.